Something I've never seen before. When go on pizza, it's a fruit and you know that. By not a dozen, go on pizza, they just don't belong. Nous aurons besoin de la glycérine comme premier ingrédient, ensuite de l'argile verte activée pour ceux qui en ont. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir de l'argile verte activée, vous pouvez le remplacer par le kaolin ou encore appelé le kalaba. Après avoir trempé dans de l'eau pendant 3 jours, assurez-vous à obtenir un mélange pâteux comme celui-ci. Utilisez la glycérine de cette façon et votre peau paraîtra si jeune, lisse et sans tache. Donc mes chéris, après avoir obtenu notre pâte comme celui-ci, ça c'est le mien, je l'utilise presque chaque jour pour me brosser les dents, pour me désintoxifier. Mais dans ce cas, il faut que ce soit plutôt l'argile verte activée pour la désintoxification. Je l'utilise pour plusieurs d'autres soins, mes chéris, que je vous détaillerai dans d'autres vidéos. Donc voilà mon bocal, voilà tout ce qui m'en reste aujourd'hui pour l'instant où je vous fais cette vidéo. Vous allez ramasser quelques cuillères à café comme ceci. Évitez de manipuler votre mélange avec des objets en métal ou bien en inox. Vous allez utiliser uniquement des cuillères en plastique pour manipuler votre argile verte, si c'est le cas. Ensuite, maintenant, nous allons rajouter environ une cuillère à café de glycérine dans notre mélange. Nous allons maintenant essayer de remuer pour obtenir un mélange homogène. Mes chéris, pour ceux qui ne savent pas, sachez que l'argile verte activée a de nombreuses propriétés pour la peau. C'est un rajeunissant. Ça permet également d'assécher les boutons d'acné. Ça régénère la peau, ça apaise les coups de soleil, ça affine votre grain de peau, ça régularise l'excès de sébum. Ça permet également de redonner de l'éclat à votre peau. Et ce n'est pas tout. Sachez également que ça a beaucoup d'autres avantages qu'on citera dans de prochaines vidéos. L'argile verte est aussi absorbante. Elle est particulièrement conseillée pour les peaux mixtes à grasse, mais aussi les peaux acnéiques. En effet, vous pouvez l'utiliser peu importe votre type de peau. Vous allez chercher un pinceau exactement comme le mien. Essayez maintenant de l'éparpiller partout sur votre visage. Mais avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, mes chéris, si vous aimez prendre soin de votre santé au 100% naturel, vous aimez les astuces maison, astuces beauté, astuces de vie, astuces santé, tout ce qui peut concerner votre bien-être en général se trouve ici même sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie énormément pour votre soutien. Et pour ceux qui sont déjà, et pour ceux qui sont tout simplement de passage par ici sur ma chaîne, abonnez-vous et rassurez-vous d'avoir activé votre clochette de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos où nous partageons minimum une vidéo par jour. Sachez que ce masque va purifier votre peau, ça va tonifier votre peau, ça va raffiner votre grain de peau, ça va vous débarrasser de vos impuretés. Vous allez laisser reposer environ 10 minutes. Ensuite, vous allez revenir doubler la couche. Sachez que ce mélange à la glycérine, en plus de faire tout ce que je viens de citer plus haut, ça va également adoucir votre peau. Vous qui avez les peaux qui ont toujours tendance à être sèches, vous qui avez les peaux qui ont toujours tendance à avoir les rides précocement, sachez qu'avec cette astuce, ça va vraiment nourrir votre peau en profondeur, l'assouplir, l'adoucir, l'étirer en même temps et effacer, estomper les rides. Ça va vous donner une apparence très jeune, vous aurez une très très bonne mine. Je vous conseille de faire cette astuce minimum 2 fois par semaine, le soir de préférence, pour vous réveiller toute jolie, toute belle, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Ça vous protège également des coups de soleil. Donc après une dure journée au soleil, vous allez laisser reposer ceci sur votre visage environ 30 minutes. Après avoir doublé 2 couches, vous allez avoir ce que j'ai sur le visage présentement. Après avoir nettoyé, votre visage sera plein d'éclat, mes chéris. Donc laissez-moi nettoyer. Et on se retrouve juste après, mes chéris.
Voici le résultat après avoir nettoyé mes chéris. Si vous étiez à côté de moi pour toucher mon visage et voir à quel point elle est tellement douce, comment elle ressemble à la peau d'un bébé. On va se prendre demain dans ma prochaine vidéo comme d'habitude mes chéris. D'ici là, prenez soin de vous, likez la vidéo, commentez et partagez-la au maximum sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous mes chéris, je vous aime, je vous adore. Bisous bisous, bye bye.